et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon haul des vacances de 2016. Donc là c'est la canicule donc j'ai méga chaud. Donc limite je peux vous faire ma vidéo en maillot de bain mais je vais pas le faire hein. Donc j'ai les cheveux encore mouillés si vous vous demandez. Donc d'abord je suis allée en Espagne donc j'ai fait des petits achats. Donc je vais vous montrer tout ça. Je suis essoufflée. Je vous dis toujours il fait trop chaud, je vais vous faire aussi des try-on. Pas aujourd'hui parce qu'il fait trop chaud, mais je vais vous faire. Donc d'abord, je suis allée à Mango, donc j'ai fait les marques espagnoles parce que vous savez, c'est moins cher. Donc j'ai trouvé une robe qui était soldée, donc elle était à 13 €. Donc c'est une robe noire parce qu'en fait, c'est un basique, mais j'ai jamais eu de robe noire parce que je me dis, oh, la flemme de dépenser de l'argent juste pour une robe noire. Mais il fallait bien que je, finalement, que j'ai une robe noire. Donc voilà, elle est simple, comme ça. Mais derrière... ça montre un peu le dos comme ça tu vois. Donc ça c'est la barre pour cacher le soutif. Donc elle est pas du tout moulante, elle est assez large et tout. Mais moi j'aime bien être confortable dans mes robes. Donc c'était 13 € à Mango. J'ai aussi acheté en solde également je crois. Ou peut-être pas, je sais plus. C'est une chemise à carreaux donc blanche avec des rayures bleues. Donc elle était à 16 €. Voilà. Elle est aussi très large. Je l'ai pris en XS, mais moi j'aime bien le côté large et tout. Tu mets juste avec un slim et ça le fait bien quoi. Et donc il y a deux poches sur le devant. Et c'est plus long derrière que devant, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc après j'ai fait un petit tour à Bershka et là j'ai pas fait non plus beaucoup d'achats. Pourtant c'est il y avait plein de choses qui m'intéressaient. J'ai acheté un petit haut en rose poudré. Rose comme ça, que un vieux rose, que parce que j'aime bien cette couleur. Donc c'était à 5,99€. Donc voilà, et c'est en V, parce qu'en ce moment je suis pour les cols en V, donc quand je dis ça pile, j'ai un col rond. Dans ma vidéo anti-boyfriend tag, j'avais un col V comme ça, en gris et tout. Et donc lui, il est beaucoup plus court parce que l'autre c'était en fait à mes frères, donc ça fait beaucoup plus large. Lui, il arrive pile sur le nombril et tout, et j'aime trop. Et donc aussi, je suis allée chez Etam et il y avait... parce qu'en fait, tu vois, quand je suis allée en Espagne, il restait encore un peu de solde, puisque je suis allée en fin juillet, et donc il y a une promotion sur les maillots de bain, le haut et le bas à 20 €. Donc ça valait super le coup, parce que par exemple, cette culotte juste noire, à elle seule, elle valait 20 €. Donc en vrai, j'en avais pour 56 € si je payais le vrai prix, donc j'en ai profité. Donc c'est pas un ensemble, j'ai pris séparément, mais juste un haut et un bas, ça marchait pour la promotion. Donc un haut rouge comme ça. Rouge, framboise, j'ai l'impression d'être une pin-up avec ça, je sais pas, peut-être c'est à cause du petit carré au milieu, je sais pas, et donc ça se présente comme ça. On peut pas enlever les ficelles par contre, donc ça se ferme avec un petit clic comme ça. Donc là je galère, mais voilà, vous voyez. Et donc après j'ai pris ça avec, parce que pour la culotte, il n'y avait pas ma taille, mais j'aime bien mélanger, faire plusieurs couleurs et tout, donc j'ai pris une simple noire, parce que j'en avais plus des noires, parce qu'elle devenait trop petite, donc elle est toute simple, elle taille super bien, et voilà. Donc les deux pour 20 € ça valait le coup. Donc maintenant on passe pour mes achats que j'ai fait à Londres. Donc si vous avez vu mes vlogs vous savez que je suis allée à Londres, donc j'ai fait pas mal d'achats, beaucoup même. Bah c'est Londres quoi, j'ai pas d'excuses à donner, juste c'est Londres, faut profiter et les vêtements là-bas ils sont moins chers qu'en France, donc j'en ai vraiment profité, vous allez voir. Donc on va commencer par le fameux Primark que vous connaissez tous et donc c'est une marque anglaise, donc c'est même irlandaise je crois en fait, et donc c'est beaucoup moins cher en Angleterre. Donc par exemple j'ai pris ça, c'est un body mais pour mettre en sous-vêtements, donc ça coûtait 7 pounds, donc je mettrai l'équivalent en euros. Quand je filme cette vidéo, 1 pound c'est égal à 1,16 €, parce que c'est des fois ça change souvent, surtout avec le Brexit etc. Et donc je crois 1 euro c'est 80 pounds, il me semble, sinon je corrige là. Donc je mettrai l'équivalent, mais par exemple si vous regardez plusieurs mois après, ça peut un petit peu changer, l'euro, le pound il peut avoir baissé ou augmenté dans sa valeur. Donc là, quand je filme, du coup c'est 1,16 € un pound, donc c'est un body comme ça. Je voulais le prendre en noir, mais il n'y avait pas ma taille, parce que tu sais, même que ce soit en France ou en Angleterre, je galère à trouver ma taille à Primark. Donc c'est un body comme ça, si tu veux mettre... en dessous d'une robe, d'une jupe, etc. Donc il y a les petits boutons. Et c'est un body. Par exemple, c'est pour cacher ton ventre là, à ce niveau-là. Voilà, c'est simple. C'est pour mettre en sous-vêtements. Et après, j'ai un gilet. Il est à 6 pounds. Donc c'est comme ça.
Donc je peux le mettre en sport ou un peu tous les jours, donc il est gris. C'est bien pour la saison automne qui arrive, quand il fera un petit peu moins chaud parce que là c'est la canicule, là j'en ai vraiment pas besoin. Et donc après j'ai aussi acheté une sorte de bomber, donc c'était 15 pounds, mais il est pas mat, il a un peu matière brillante, je sais pas si vous allez le voir, mais il est crop top. Donc j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus long, mais c'est pas grave. J'ai quand même trouvé très joli. Donc ça, je peux par exemple le mettre avec des robes, avec des crop tops. Il est léger, donc encore pour la transition entre automne et été ou automne, même en printemps, des trucs. Donc, je sais que je vais le porter, donc 15 pounds. Donc après, je me suis acheté des chaussettes, des sous-vêtements, rien de non plus extraordinaire. Parce qu'à chaque fois, après marque... C'est là où j'achète mes sous-vêtements parce que c'est pas cher. Donc du coup, par exemple, 2 pounds, j'ai droit à 4 shorts. Donc shorts, sous-vêtements, culottes un peu plus longues, tu vois. Donc en 2 blanches et 2 noires. Donc 2 pounds. Après, j'ai le droit aussi... J'ai le droit. J'ai acheté aussi 5 paires de sockets. Donc là, j'en ai que 3, mais j'en ai donné à ma mère pour... 3 pounds, je crois, 2-3 pounds, je me souviens plus, et j'ai acheté aussi 3 autres culottes noires pour 5 pounds, je sais plus où elles sont. C'est plus des boxers, voilà, j'en ai 3 comme ça pour 5 pounds, et la matière est super douce, ça a l'air super confortable parce que je l'ai pas encore essayé. Donc après, maintenant, on passe à Topshop. Donc Topshop, si vous connaissez pas, c'est aussi une marque anglaise, et ça a un prix beaucoup plus cher, c'est... Un peu comme, c'est l'équivalent un peu de Zara, même un petit peu plus cher. Donc, quand je suis rentrée, je voyais les trucs à 50 dollars, 50 pounds, un t-shirt à 26 pounds. J'étais en mode, ok, est-ce que je vais trouver des trucs? Après, j'ai trouvé un rayon solde. Il y avait, quand je suis allée à Londres, il restait des soldes, donc c'était plutôt cool. Donc, je crois même à Londres, ils font des soldes au quotidien. Enfin, ils n'ont pas une période précise. C'est un peu en continu. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, par exemple, j'ai une robe à 7 pounds. Je crois que j'ai envie de dire dollars. Donc, elle est un peu. Elle est en mode corail. Et donc, elle est brodée sur le devant. Et il y a une petite ficelle comme ça. Et donc, après, en bas, elle n'est pas brodée. Mais en dessous, il y a des sortes de petites boules là, des petits ronds comme ça. Donc j'ai trouvé super mignonne pour l'été ou pour des soirées, je sais pas quoi, quand tu veux mettre ta robe quoi. Et donc elle est aussi brodée derrière, mais il n'y a pas le lacet, parce que c'est que devant. Donc elle était à 7 pounds au lieu de, je sais pas, un truc 25, 26 pounds. Et après j'ai trouvé aussi une robe blanche à 15 pounds. Donc à la base elle était à 29 pounds. Donc elle est plus crème que blanche en fait. Donc elle est brodée. Sur le devant, comme ça, elle est super jolie. Et après, elle est brodée ici également, mais en trou. Donc, c'est au niveau du ventre. Donc, ça montre pas énormément aussi. Ça montre pas le nombril, mais c'est plus en dessous. Vous savez, du soutif comme ça, une barre comme ça. Donc, de toute façon, je vais vous montrer. Donc, super jolie. Et donc, elle n'est pas non plus hyper courte. Donc, après, je suis allée à H&M. Et il y avait encore des soldes et j'ai acheté aussi une autre robe, donc une qui a coûté 7 pounds. Donc elle est rose, rose corail. Et donc elle est hyper longue parce que j'ai pas de maxi dress. Donc c'est-à-dire ça arrive vraiment tout en bas, même pour moi elle est un petit peu grande. Mais c'est pas grave, si je mets des chaussures hautes ça devrait aller parce que je les prends en 34. Donc ça se présente comme ça, c'est des fines ficelles. Ça c'est le devant, il a encore un V, tu vois un petit peu, et le derrière il montre un peu plus le dos. Donc après il y a toujours des motifs comme ça, des petits trous qui laissent passer un petit peu la peau, mais légèrement, tu vois, ça montre pas non plus beaucoup de choses. Et par contre faire un petit peu attention parce qu'il est légèrement transparent, donc pour les sous-vêtements, tu vois. Donc voilà, une maxi dress, donc elle est hyper longue, mais j'aime beaucoup, en ce moment j'aime beaucoup les jupes longues et les robes longues, mais j'en trouve pas parce que je trouve pas qu'il me plaît. En ce moment la mode c'est des jupes qui arrivent au milieu du genou et moi je préfère les longues en ce moment, donc on peut pas toujours suivre la mode, hein. Donc après j'ai trouvé aussi un manteau, une veste
à 10 pounds au lieu de 29,99 pounds. Donc c'est une baisse comme ça. Donc aussi pour quand il fait pas non plus trop froid, mais elle est assez épaisse. Donc elle taille bien. Et ben, je le trouve super joli et le prix il est super abordable. Tu vois, il y a des petits boutons comme ça, la fermeture, tu peux la laisser ouverte ou fermée. Moi, je la laisserai sûrement ouverte. Parce que c'est ce que je préfère. Il y a des poches devant, des deux côtés. Et voilà. En noir, tout ça. Comme ça, tu peux la porter avec tout. Et donc maintenant, on va passer aux chaussures parce que c'est là où j'ai fait un grand nombre d'achats, vous allez le voir. Donc après, je suis allée à New Look, donc toujours une marque anglaise. Parce qu'en fait, en général, à Londres, le shopping est moins cher qu'en France, mais la nourriture est plus chère, tu vois. Donc moi, j'en ai profité pour le shopping. Donc j'ai trouvé deux paires super jolies à New Look. Donc une, elle était à 19,99 pounds. Donc elle est blanche et tout autour, il y a un fil doré. Donc tu vois, c'est super joli. J'ai trouvé super joli, j'ai pas de chaussures blanches. Donc j'ai bien aimé comme ça, toute simple mais hyper élégant je trouve. Donc après j'ai trouvé une paire qui était en solde en fait. Et qui était, je sais plus à combien. Je crois elle était moins chère que la blanche. Donc elle devait être à 16 ou 18 je crois. Elle était à moins 20%. Donc c'était pas très cher. Donc elles sont noires. Donc j'ai pris blanche et noire. Et elles sont un peu en... comment on appelle ça? En daim. Mais c'est pas du vrai daim. C'est, vous savez, c'est les chaussures hyper élégantes que je trouve beaucoup en Angleterre. Enfin, je vois beaucoup d'Anglaises mettre ça et tout. Et je trouve ça hyper élégant. Donc, j'ai trouvé ça bien pour faire plus habillé, par exemple. Ouais, tu peux mettre ça avec un slim et ça fait tout de suite plus habillé ou je sais pas. Et donc, la semelle, elle est un petit peu plus grosse. Enfin, j'ai pris des grosses semelles. Mais... parce que ça, j'ai toujours besoin d'un petit peu plus de centimètres. Donc, je sais pas si ça va bien se voir comme c'est noir. Donc, elles sont super douces et je les aime trop. C'est mon petit bébé. Ah, j'aime trop. Donc, après, je suis allée à New Balance, donc aussi une marque anglaise. Et j'ai acheté des chaussures de sport. Donc, des chaussures pour courir ou simplement pour le sport. Donc, ah, elles sont flashy. Donc, c'est du orange flashy. Et donc, il y a le N de New Balance. Et voilà, c'est pour le sport et tout. Je les ai trouvées belles. Elles étaient à 27 pounds, je crois. Ça vaut super le coup parce qu'en général, les chaussures de sport, ça coûte dans les 70 euros, 100 euros, des trucs comme ça. Donc ça, c'était quoi 35, 40 euros pour une paire de chaussures. Donc ça valait le coup. Donc voilà les deux. Ça me fait un teint bizarre. Donc orange bien flashy, donc comme ça si vous me perdez, vous pouvez me retrouver avec ces chaussures bien orange. Et donc j'ai acheté aussi des paires de chaussettes, donc trois aussi flashy, c'est dans un pack pour 5 pounds. Donc voilà mes achats. En fait j'ai parlé vite hein, parce que genre quand on a fait du shopping, parce que Oxford Street c'est genre elle est hyper longue la rue, elle est hyper connue. Et donc genre pour aller de Topshop à Primark on mettait 15 minutes de marche. Donc j'avais l'impression j'avais fait des tonnes de shopping. Enfin quand je regarde ce que j'ai fait c'est plutôt raisonnable, non? Ça va hein? Ça va. Et surtout j'ai fait des bonnes affaires puisque c'est beaucoup moins cher qu'en France et j'ai pris des choses soldées qui sont même au prix initial moins cher qu'en France. Donc ça vaut le coup. Donc c'est pour ça si vous voulez faire du shopping, allez à Londres. Ou apparemment New York aussi c'est bien, mais je suis pas encore allée, tu vois. Donc voilà, dites-moi si vous êtes déjà allé à Londres, si vous aimeriez y aller. Donc moi je suis allée pour 5 6 jours. Donc vous pouvez aller voir mon blog, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Et donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes vidéos. Donc je poste tous les vendredis à 15h. Et donc bah je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!